Atikra Lichot. Et la Lichot. Chazak Obaru Chabotai. Besorot Tovot. On est aujourd'hui Kaf Daled, le 24, dans le mois d'Eloul. Le 24, c'est Kad en hébreu, toujours. Hein, c'est le Teilim de la Parnassa qu'on va lire très cher. Il se vend Rosh Hashanah, qui pour les David Mizmor. Mais si on veut bien remplir la caisse, et pas seulement dans la Parnassa, dans tous les domaines de la vie, dans la santé, Shalom Bayit, éducation des enfants, eh ben, il n'y a pas mieux que la référence du Hafetz Chaim. C'est ça, il ou là aujourd'hui. Mi'aïch et Hafetz Chaim, Oev Yamim Lirotov. On a vu qu'il dit le roi David dans le Teilim 33. Chacun qui veut avoir une belle vie, belle journée, en bonne santé, Shomer Piv Ulshono, Shomer Mitzarot Nafsho. Tout dépend de notre bouche. Alors le Hafetz Chaim, il s'appelait Rabbi Israël Meir HaKohen, dans une ville qu'elle s'appelle Radin, décédé, on a vu hier, dans l'année 1933. Et d'où il porte le nom Hafetz Chaim, parce qu'un des livres qu'il a marqué, c'est toutes les règles de la Shonara. Je tiens à vous le dire qu'aujourd'hui, en tous les cas, je vais essayer pour moi, si on arrive à comprendre, il n'y a rien de nouveau, hein, mais quelque chose qu'on n'arrête pas de le parler. Mais on va dire aujourd'hui, Dieu, j'essaie un peu de tailler ma bouche, car Rosh Hashanah, tout le travail, c'est notre bouche. Que ce sera dans la prière, tous les demandes, ou que ce sera même le chauffard qu'on va sonner, on doit le sonner par la bouche. Alors, si on n'est pas assez conscient des dégâts qu'on a fait avec notre bouche, voilà la petite métaphore que vous la connaissez tous, il y en a qui l'amènent au nom de Ben Ishraï, et j'espère qu'avec ça, ça va nous aider un petit peu de comprendre les dégâts, et de prendre sur nous une petite bonne décision. L'histoire, elle est, c'est les plumes, hein, tout le monde connaît, alors c'est pour ça que je commence de la fin. Il y avait quelqu'un, il avait fait un article sur quelqu'un, où il avait mis une annonce, et après qu'il avait écouté, qu'il avait fait des dégâts, parce qu'ils ont parlé sur un tel et un tel et un tel, il est parti demander pardon au rabbin. Le rabbin, il a dit, il n'y a pas de problème, on va faire une petite mitzvah, tu vas me chercher un peu des poulets ou des petits, c'était des Tunisiens, ils voulaient des petits, pour la sourda d'Itro, les petits pigeons. Voilà, tu vas acheter pour tout le monde, tac tac, et l'histoire est classée. Il a commandé, il a amené le camion avec tous les pigeons, il a dit merci le rabbin il a dit attends, c'est pas fini, ça c'est première étape. Maintenant, on va prendre tous les plumes de tous les pigeons, tu vas faire plein des sacs, et chaque fois où il y avait une annonce que tu avais mis contre quelqu'un, que tu as parlé mal, tu vas mettre un sac des plumes. Bon. Il a fait le tour, ça l'a mis encore une journée, il arrive, il a dit merci beaucoup monsieur le rabbin, je suis clean. Il a dit non, maintenant attends, il y avait du vent justement, tous les plumes, ils sont partis partout. Le rabbin a dit dernière mission, va ramasser tous les plumes et ta faute elle est pardonnée. Il a dit monsieur le rabbin, comment je vais ramasser tous les plumes, d'où je sais où ils sont. Et voilà la gravité de la Shonara, chers amis. Un poste, un mot qu'on a mal dit et qui ça commence à parler, ça va dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui si on veut travailler notre langage avant de sonner le shofar? Voilà le conseil de Hafetz Chaim. Conseil numéro 1. On va essayer de jamais parler sur les gens. Jamais, jamais. Essaye. Stop, je ne veux pas parler sur les gens. 2. Ne va pas dans des endroits où tu sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas de ne pas parler sur les gens. Tu ne vas pas. 3. Et ça, il n'y avait pas l'internet à l'époque. Mais le Hafetz Chaim, il a dit dans les journaux et tout ça. Attention, s'il n'y a pas de filtre sur internet, s'il n'y a pas, ne fais pas des likes sur des posts, sur le restaurant et tout, car chaque mauvaise langue, chers amis, c'est des plumes. Alors j'espère qu'on a compris la gravité de tous les dégâts qu'on a fait cette année, mais grâce à la Hiloula du Hafetz Chaim aujourd'hui, et avec le son de chauffard qu'on va sonner tout de suite, on va prendre sur nous de s'améliorer dans ce domaine, et comme ça, tout ce qu'on demandera à Rosh Hashanah se réalise. Bonne journée à tous.